Madame, Monsieur, bonjour. Cette vidéo vient vous donner plusieurs informations importantes, tant pour bien terminer l'année scolaire que bien commencer la prochaine. Vous avez récemment reçu, ou bien vous allez recevoir, la plaquette de rentrée. Les informations qu'elle contient sont toutes actualisées, et il vous est donc important de prendre le temps de la compulser avec la plus grande attention et de respecter les dates impératives de retour des documents organisés dans les différentes chemises. La rentrée des élèves se fera le jeudi 1er septembre. Les listes des classes seront affichées le mardi 30 août dès 9h et les parents d'élèves de CP au CM2 auront pu prendre possession auparavant des packs fournitures, soit le vendredi 26 août entre 16 et 19h ou bien le samedi 28 août entre 10 et 12h. La permanence est tenue par les parents de notre association Appel. Pour la prochaine rentrée scolaire 2016-2017, afin de mieux répartir les temps d'apprentissage de la matinée et de l'après-midi, les horaires de l'interclasse seront modifiés à compter du 1er septembre. La journée de classe s'organisera donc ainsi. Matinée, 8h55-12h et après-midi, 13h30-16h35. Merci aux parents des enfants externes d'en prendre note pour pouvoir au mieux anticiper ce changement. Notre structure pédagogique, avec toujours le rythme des 4 jours de classe, n'est pas encore définitive du fait de la fragilité de la structure maternelle et élémentaire. En effet, depuis 2 ans, nous envoyons de très grosses promotions en 6e. 76 CM2 cette année, 67 l'an passé. Promotions qui ne sont pas compensées par autant de montées en CP. Notre structure maternelle, elle, devrait se maintenir à 6 classes. Mais celle de l'élémentaire pourrait redescendre à 11 classes et donc ressembler à la structure suivante. 2 petites sections, 2 moyennes sections, 2 grandes sections, 2 CP, 4 CE1, CE2, 5 ou 6 CM1, CM2. Et bien sûr, une classe Ulysse École. Décision vers le 15 juin. Comme annoncé précédemment, la date de sortie des élèves de notre école se fera le vendredi soir 1er juillet. Des travaux sont prévus pendant les vacances d'été et d'autres sont en projet. Le nettoyage et la peinture des toitures du bâtiment des classes maternelles et de leurs préaux. La sécurisation des entrées, des 2 entrées de l'école. Des travaux de nettoyage par les parents, un samedi matin, dont la date vous sera donnée très prochainement. Vous avez certainement constaté que le site internet de l'école a été relooké et remis en ligne courant mars. Vitrine de notre école, il est désormais plus convivial, plus clair et plus moderne. Avant la fin de cette année scolaire, vous pourrez retrouver les informations qu'il contient par le biais du réseau social Facebook. Nous attendons beaucoup d'amis chez les parents et d'autres amis des parents, bien sûr. Enfin, c'est avec plaisir que nous nous retrouverons le samedi 11 juin, à l'occasion de notre kermesse annuelle avec les évolutions des enfants sur le thème « L'école dans le monde ». Cette fête de l'école est toujours un moment privilégié pour nous rencontrer autour de nos enfants, au sein de notre communauté éducative. Vous comprendrez certainement que certaines habitudes devront être modifiées, car cette manifestation tiendra compte de l'état d'urgence toujours en vigueur à cette date. Mais rien n'empêchera de faire de cette journée une belle journée. En attendant de souhaiter à chaque famille de bonnes vacances, bien reposantes, bonne fin d'année scolaire à tous les élèves, à tous les enfants.